Alors, comment ça va? Bah tranquille, écoute là. On fait le business un peu là, côté des chiens là, en attendant autre chose. Oh putain, ça c'est la police, on va faire genre Tiens, qu'on prend le... attends, je m'en charge. Attends, bouge pas. Hep, vous dégagez de là, s'il vous plaît, monsieur le policier. Vous êtes sur un chantier privé, vous n'avez pas le chaussure de sécurité. Vous bougez de là, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas habilité à venir ici. S'il vous plaît, Monsieur, monsieur, je fais mon travail. C'est non, Benji! vous êtes sur un chantier privé. C'est Vous bougez de là. J'aime bien les gendarmes. Insupportable ces policiers. Non, mais viens ici, quoi. Il a cru qu'il était chez sa mère, quoi, sans déconner. C'est zut! Cadet zut! Oh mon Dieu. Let's go Bon, baby. du coup, ouais, je disais, ouais, on attend un peu d'avoir un peu plus de boulot, quoi. Ouais, je comprends, Là, mais... enfin, de boulot, un peu plus, quand tu m'as compris, quoi. Je fais attention parce que le flic est pas loin, là. Ouais, t'inquiète, je sais de quoi tu parles. Comme te l'a dit Mladen, moi, le boulot dont tu parles, j'en ai fait il y a très très longtemps. J'ai commencé à en faire il y Ah a ouais, très ça très se passe longtemps. bien. Ah ouais, oui, d'ecstasy, cocaïne, tout ce que tu veux. Ouais, y a pas ici l'extasie. Ils sont pas venus jusqu'ici là. Ils sont fait choper par les flics. Et le seul truc qu'on a à côté, c'est une méthamphétamine. Tu sais, Ouais. un peu comme du Sherry là, télévisé là, avec Ouais, comme dans le film, ouais, enfin la comment série. s'appelle? Ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais, c'est ça, avec le chauve là. Ouais. Attends, j'en change de sujet parce que sinon. Ouais. Russe, Je russe, c'est prends une merde. bouteille de vodka, mais je ne vais pas Russe, la sur moi. la vodka, c'est de la merde. Ah bon? Ok? C'est rakia, c'est meilleur. Mais bon, Ok, ici, il c'est n'y a que noté. vodka, mais je comprends que vous Comment êtes petit t'appelles ça, fragile Mladen? C'est quoi qui est américain. meilleur? C'est rakia. Rakia, La ok. rakija, C'est ça s'écrit comme ça, 80 genre. degrés, pas de problème. 80 degrés. 80%, il veut dire. Ah, c'est Bon, écrit comme pour moi, ça, c'est bon Mladen. vu que j'ai déjà une tournée dans mes poches et j'en ai une qui est pas traitée. Hein, Vas-y, donc. on va faire ça. Ouais, pareil. J'ai 8 diamants sur moi. On ne prend Je pas peux le vous dire. téléphone en travaillant, c'est pas productif. Oh là Ah, c'est là. bon, c'est bon. Et du coup, vous faites comment? Vous allez miner, vous traitez, vous revenez miner ou bien vous allez directement vendre? Ouais, c'est ça. Moi je vais C'est miner, ça, mais tu peux non. pas traiter une deuxième fois par contre. Hein. Ah ouais, je comprends, je Moi là je l'ai comprends. fait parce que j'avais le temps, mais sinon tu peux aller directement. Ça... En fait, ça change pas grand chose. D'accord. Oden. Ah, là je te Bon, reconnais, par contre. Madden. Là je te Ah, t'as reconnais. vu? Putain, là Ah on est oui, j'ai mis d'accord. petit short parce que là c'est Ah. chaleur en ce moment. Ouais. J'aime beaucoup ton style vestimentaire. Ah ouais? Bon, va J'aime bien la falloir que petite j'aille faire chaîne, un tour j'espère que vite c'est fait pas du toc justement. hein, quand même. Hein. Ça se Ah, voit que tu mets écoute. pas du toc, ça 100% chez sûr. Ouais, mais tu Ah ouais, vois, je reconnais, ça c'est attends. bien et tout, je voulais faire profil bas, mais là, je viens de me faire un petit peu d'argent et tout, je vais aller vendre les diamants. Et tu me connais, T'as moi, bien c'est le raison. bling bling et tout, hein. Ça, à quoi ça Ah sert de bah ouais, mais manger et là tout du c'est moment quoi? C'est que. de l'or blanc ça, putain. Ouais, moi, le plus Monsieur, il met important même dans pas la de vie, je pense, l'argent, il c'est. met de l'or blanc. Mais Ouais, ouais. voilà. Tu vois, faut tout dépenser, faut se Tu vois, faire par plaisir exemple, et tout. Armando, lui, il m'a dit Non, qu'il préférait argent. Seigneur blanc, Ah, Seigneur c'est or blanc. blanc aussi. Arrête, Il m'avait qu'est-ce pas dit qu'il a? que Qu'est-ce qu'il a? l'or, Oh ça là faisait là là là! des irritations. Oh putain! Mais il veut quoi, C'est le qui lui? Pedro? Arrête, Mais arrête! Pedro, calme-toi! Mais qu'est-ce qui lui Casse-toi! arrive là? Mais va, t'es calmé là! Oh! Oh! Ah bah, je crois qu'il en Yeah. est pour son compte là, hein! Oh putain, faut faire gaffe ici, Moi, après, je suis brésilien. y a les Mexicains là, ils sont un peu tendus par ici. Hein. Je pense Attends, qu'on va je vais s'en aller aller mettre mon vite. camion, j'arrive. Ok, pas de problème. Ah, vas-y. Ils l'ont Oula! déglingué le pauvre. Oula! Il On nous va faut les une placer voiture. pour pas que ça bloque la circulation. Voilà. Oh putain, non, ma voiture est plus ici. Non. Alors, par contre, j'espère que t'aimes le jogging. Ah, y a pas de souci, Parce ouais. que. Non, on va piquer véhicule, hein. Ouais, Allez, c'est bon, on va d'accord, au bon, on n'a garage, pas à trop le choix. côté. Oui, on va au garage. Bon, Bon, écoute, ok, on est parti. je parle. Vas-y. Quitte à voler véhicule, autant prendre bon modèle, hein. On arrive à destination. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça va être. Il nous emmène au garage. Du coup, on va rejoindre tout le monde au garage, c'est ça? Il n'y a personne à garage, j'espère, hein. Ah, je sais pas. Oh merde, il y a les flics au garage. Attends. Pourquoi t'es plus flic? Bah, regarde le résumé sur YouTube, poto. La petite Ok, vidéo annonce te super. résume bien. Vas-y. Ah oui, il y en a une deuxième. Vas-y, garde-toi dans le coin, on vient à pied. Hein. Garde-toi à droite, là, dans un coin. C'est pour nous, ça, les flics? Non. Ouais, non, non, c'est pas pour nous. Ah si, putain. Vite, 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 Ah vite. oui. Vas-y, garde-toi ici, on sort et on se...
Tranquillité assurée. Le stress. Allez Armando, cours pas, cours pas. Brésilien qui court, ça rappelle les favelas. Donc fais attention. Tiens, maintenant je vais prendre la voie comme ça. c'est bon, ils nous ont pas grillé. Là, je me suis jamais fait choper, je sais pas maintenant, je vais me faire choper, hein. Merde. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette ville? Tu nous as pas dit ton ressenti alors. Qui ça, moi? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, oui, bien sûr. Je m'y plais bien, mais je te dirais que j'ai beaucoup d'ambition, hein. Je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais j'ai beaucoup de projets, bah, beaucoup d'ambition, beaucoup de. Ah, c'est super, ça, c'est important. Beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. La ville super. Est cool, ce que je vais en faire. C'est encore plus cool. Ah, très bien, très bien. C'est important, tu pars avec cerveau plein d'idées, c'est la plus grande chose. T'inquiète, je reviens en force. On y va du coup. Tu vas nulle part, de toute façon. Oui, ouais, c'est à côté là, tu vois, c'est au bout à gauche, on est arrivé quasiment. Vas-y. Bonjour, bonjour. C'est Marco. Eh, mais c'est Anna. Marco. Ça ? Bonjour. Non, c'est pas Anna, ça. Moi, non, je suis pas Anna. Mais je sais pas, je me disais, il y a un truc à changer là. Ah non, c'est pas Anna, c'est Stéphanie. Ah, mais vous avez les mêmes pantalons là. Ah oui, non, mais. Ouais. Ah mais c'est peut-être ton idole, je sais pas. Hein. Ah bah je sais pas. Bah juste le pantalon. Mais je pense que je vais même changer, de toute façon ça m'énerve, il y a toutes les filles qui ont la même tenue que moi. Ah c'est un peu ça. Brésil, c'est votre clic ça? Le type là... Non le mec là, je connais pas le type là. Qu'est-ce qui prend la nucléaire là, on va de l'autre côté, on se barre. Je me méfie parce que des fois il y a des gars ils espionnent comme ça, il y a beaucoup d'espions dans la ville, faut faire attention. Mais il faut qu'on se barre du garage en 5, hein. Il y avait les flics là il y a 2 secondes, ils vont revenir. Ils foutaient quoi les flics? Le courage nobile, il vient d'un endroit bizarre qui s'appelle le Québec. Et le type là il s'appelle Cham Canon, comme ça là. Et lui par contre, faire très attention. Parce que lui il te suit partout. À qui il en faut général, faire gaffe, quand il t'appelle Calis, c'est que c'est bon signe par contre. Hein. Moi il m'appelle Calice. Voilà, moi je me souviens d'une fille qui m'a appelé Calice, c'était pas très affectif. Hein. Mais lui, si tu vois ce que je veux dire. Compte, ça va être balle entre pourtant, les deux. Pourtant c'est mot doux. Hein. Je vous donnerai des cours les gars, je vous donnerai des cours. Calice, tabarnak, ils m'ont dit. Ah putain, ils m'ont dit quoi aussi ouais. Ah, comment elle m'appelle déjà? Ta gonzesse. Eh, je suis pas au courant, c'est quoi ces histoires? Ah, oh là là. Madame le tombeur. On dit tous ça, tout le monde dit c'est ma blonde, mais bon, pourtant elle est rousse. Mais attends, mais bon, la meuf elle veut même pas que je monte à côté de toi, elle a peur. Mais c'est pas un problème, tu sais, hier elle a failli se prendre la tête avec Anna, hein, donc. Mais après, elles sont dit qu'elles étaient amies. D'habitude, tu présentes aux potes, mais bon, c'est pas grave. Bah ouais, mais elle est pas là pour le moment, donc. Filez-moi boire, s'il vous plaît, filez-moi boire, s'il vous plaît. Et les gars, il y a le. Ah non, c'est pas moi, c'est le Moudem, parce qu'il a parlé. Ah oui! Ça y est, je me suis rappelé. Elle m'appelle tout le temps Chris. Elle arrive pas à se souvenir de mon nom. J'ai l'impression qu'elle me fait des infidélités. Elle me dit Chris ceci, Chris cela. Elle m'emmerde. Non, j'ai rien du tout. Viens, Fanny, s'il te plaît. Mais Moudem, dégage. C'est vous qui prenez les bouteilles. Mais en non. Fait, ah bon. Va-t'en. Chacun merde, va-t'en. Mladen. Oui, dis-moi. T'es mal comme à ta gauche. Au croisement, là. Là, vas-y. Là, j'ouvre ma poche. T'attends le taxi? Tu veux que je t'en appelle un? Non, mais en fait, j'aimerais bien traverser, mais c'est putain de feu, il reste au rouge, là. Ah oui? Attends, je vais t'aider. Attends, comment il change les feux, lui? Ah, c'est un technicien, en fait. Qu'est-ce qu'il travaille pour la ville. Oh là 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 là. Ah oui, ouais, je vois ça. Il travaille pour tous les véhicules de France. De la Santos aussi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est sa fonction aussi. Oh là là. Voilà, vous pouvez traverser, monsieur. Waouh! Ah, d'accord, ok. Voilà, pas de problème, c'est vert, tu peux y aller. Grand bonheur. Ouais, je vois pas trop les verts, mais. Ouais. Oui, enfin, c'est toutes les couleurs. Pas problème. Quand il n'y a pas de couleur, c'est bon. Ok, bah, bonne journée, j'y crois. Enfin, ils sont malades. Vas-y, je me taille. Ouais. Classique Mladen, on est là. Voilà, c'est quoi ces espions là? Pour la subtilité, on repassera. Du coup, c'est quoi le plan là? Bah écoute, on attend.
On attend le groupement de personnes qui arrivent. Ça roule. Mais ils sont avec les flics, je crois. Avec les flics. Que pour me sauver, du coup, ils ont appelé les flics. Qu'est-ce qui s'est passé avec les flics? Ah. Y'a problème, Marcel. Moi j'ai l'impression en qu'ils gros, ont des En gros, y'a un flic qui a écrasé Marcel. Et du coup, Marcel s'est plaint, y a les pompiers sont venus, tout ça, tout ça. Ah ouais. Et le truc, c'est que moi j'ai dû me barrer parce que j'ai pas. Voilà quoi. Bah écoute, attends, je vais sortir mon bolide, j'arrive. Et du coup, bah je crois que les gars, au lieu de. Les flics, ils sont partis en même temps que moi, du coup ils m'ont suivi. C'est vu que j'ai grillé des feux rouges, ils sont venus là, ils ont commencé à me saouler en mode oui, vous avez grillé des feux rouges et tout. Ouais. Moi j'ai de la chance qu'ils m'aient pas fuyé parce que voilà. Ouais, ouais, ouais. Et en attendant, en fait, de l'autre côté, bah il y avait Marcel et tout, je crois qu'ils ont volé la voiture des flics. Du coup, pour me sauver, ils ont rappelé les flics de leur côté. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Un sacré vous bordel. Vous avez vu ça un petit peu, ce petit bolide? Ouais, je vois ça. V8. Turbo diesel injection. Tu m'emmènes faire un tour? Essence qualité. Tu veux faire un tour? Bah vas-y. Vas-y. Prends volant. Attends, Fanny, je vais demander à Armando qui te récupère du coup. Ah, j'avoue, elle en a sous le capot, hein. Bon, c'est quoi qui se passe là chez les flics? Ah, fais attention, feu rouge, c'est interdit dans l'Ouest, ça. Ouais. Oh là là. C'est pas grave. Bon, je vais pas te mentir que moi, les feux rouges, tant qu'ils sont rouges, ça me dérange pas. Oh, poussez-vous, hein. Attention, c'est route, hein. Jamais. Je vais leur parler mal, aller aux flics, je vais me venger. Tu veux qu'on aille récupérer tes potes? Je crois que c'est bon. Parfait. On peut retourner là où on était, je pense ils sont en train d'arriver. Hein. Vas-y, fais-nous un petit coup de turbo là, tu vas voir. Essaye le petit bouton là, tu vois le petit bouton? Vas-y. Alors, tu vois, tu peux griller feu rouge devant police, ils ont pas ça. Je vais les rendre fous, ces Kadem Laden, je vais les rendre fous. Oui, j'ai vu que le gars avec chemise jaune, c'est le guignol un petit peu. Ah bah, je suis passé par là, je sais ce que c'est. Hein. Je vais leur faire vivre ce que j'ai vécu, t'inquiète. On retourne au garage, c'est ça? Ah, attention, il y a un hélicoptère qui se stabilise au-dessus du garage. Ah, j'entends les sirènes aussi. Ok, ils sont là, on peut rentrer. Ah, moi j'étais avec l'ambiance tout le long. Hein. Bonjour, du bonjour. Coup, c'est un peu compliqué. Hein. Ah, bonjour. Salut. Ça fait longtemps. Alors ouais, je vois ça. Yo, ton je présente. Gay. Marcel, Bambino. Marcel. Ouais. Et ici Nabil. Ancien cadet, mais jamais été réellement cadet parce que c'est de la merde. Hein. Oui, Bilou, si tu veux, pas de problème. Ici, c'est Fanny. Cheveux rouges, hein, tu reconnais? Fanny. Et ici, c'est notre Brésilien préféré, Armando. Hein. Yes. Donc voilà, il manque Marc. Il manque Marc, il manque Anna. Attends, Marc. Personne. Marc, celui auquel je pense. Marc Danton. Bah oui. Ouh. Bah oui, dommage, il n'est pas là pour surprise. Mais le binôme du dragon, ok, je note. Bon, ce sera pas le trio d'attaque, mais le duo sera reformé, c'est déjà un bon début. Luc, il y a Luc. Luc Ledoux aussi. Oui, bah bien sûr, on oublie le pire. Ouais. aïe, ça va faire on mal. On oublie le pire nombre, de tous. Quoi. Oh, quelle merde. On est un petit nombre. Ouais, tu vois, on n'est pas énormément, mais bon, c'est déjà bon groupe. Du coup, bah suivez-moi, on y va, let's go. Super. Suivez-moi, on y va. Tu veux conduire, vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein, profite-en. Ah, j'ai vraiment aimé la transmission et tout. Je suis accro. Ah ouais, ok. J'ai installé un petit turbo. T'as vu, hein, je pense que tu reconnais le petit. Ouais, je vois je mets le pied au plancher rapide, hein. Et on en parle plus quoi. Ouais. Ouais. Oh putain. Oups. Cache-toi, Kunar. Aïe. C'est bon, merci les gars. Ça va mieux. Ils me font trop rire ces bâtards. Le gang des smarts. Fais-toi plaisir. Tu veux peut-être que je conduise? Non, t'inquiète, je gère.
Je vais faire plus attention, la prochaine je vais fermer les... Je vais verrouiller les portières. Oh mon dieu. Allez, ah ouais, verrouille hein. Vas-y, on tue. C'est sensible ici hein. Ça doit être quand même être chaud de s'appeler Marcel, tu penses pas? Marcel? Ça me fait penser à un t-shirt sans manche ça, c'est connerie hein. On est d'accord. Oh là là, il fait des... Je me croirais dans Braquage à l'italienne, j'ai vu un film comme ça avec des voitures comme ça. Ouais mais vous en avez quand même pris un coup niveau crédibilité hein. Je me rappelle vous reliez pas en smart avant. Ouais malheureusement. L'économie. Bah alors on a loupé la partie là ou quoi? Super. Venez. Ouais de ouf. Non mais tranquille, je veux pas trop faire de vagues en fait, je veux faire profil bas. Vu qu'il m'en... Tu sais vu que Mladen il m'a dit il sent pas très sûr et tout. Oh, y'a quoi ici? What the fuck? Ça doit être l'informateur, je pense. Se planquer quand il nous emmerde? C'est ça. Super. T'as compris? Ouais. Ouais. J'ai bien. Ça peut être. Ouais. À côté du commissariat, comme ça, il pense qu'on va aller loin, mais au final, c'est juste à côté. C'est bon, ça. Damn. Super, super. Te prennent pour coupable alors que tu as juste vu. Ouais, non, mais je lui ai dit, en plus, c'était un vieux flic chauve dégueulasse là. Mange pas, Valentin, la franchise, l'intro. Ah, c'est le. Il parle pas comme racaille. Oh mon dieu. Ce flic. Ah, je sais pas, il a juste dit, moi, on va te mettre une maman des tout. Ah non, mais lui, c'est une grosse merde. Lui, je te jure, lui, on va lui couper les couilles, on va lui mettre dans la gorge. Ah, je peux t'assurer. Ah ouais, non, mais je t'assure, moi, depuis qu'il m'a emmerdé devant Superette. Campagne là, je te jure, j'ai. Il va ressembler avec un dindon après. Ouais, j'ai mal dans la gorge à cause de lui. Ouais. Putain. Du coup. Non. Bon bah voilà, je pense que vous connaissez tous. Vous connaissez tous Nabil, on est là pour ça. Ouais. Donc, ouais, moi je pour la pas. Plupart. Enfin, toi tu connaissais pas et puis Armando. Non, je connaissais pas non plus. Non. Mais voilà, bon, moi c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. Encore plus longtemps que toi, hein. C'est j'ai chaud pas de vieilli, je me suis entretenu et tout, j'étais en vacances. Marcel. Toi, ta voix de merde a toujours pas changé, hein. Ah, toujours pas, non. On change pas une équipe qui gagne. Je me bute au strepsil. Putain. J'ai, en plus, je le confondais tout le temps avec le double. Ouais, donc t'es plus flic. Donc voilà, c'est ça. C'est quelqu'un en qui j'ai toujours eu confiance, même dans parce la police. Parce que j'ai l'air d'être flic là actuellement. On peut parler de tout librement, quoi. Qu'est-ce que j'en sais. Oui, sans problème. Vous avez ma garantie, comme vous l'avez eu avec Marc. On va recruter tous les anciens policiers, regarde déjà Marc. Eh, Brésil, commence pas. Sans déconner. Ah, mais on charrie un peu là, détends-toi là. Et, il a pas d'humour, votre ami, quand même. À chaque fois, un Brésil commence pas, Brésil truc. Il va falloir que tu te fasses une petite coupe. Touche la touffe, c'est pour ça. Ouais, c'est. Eh, vas-y, j'ai enlevé mes gants, arrêtez, je veux toucher. Arrête, faut qu'on fasse ça à chaque fois au début du gang, au début de journée. Petite caresse dans le cheveu. Je vous pêche dessus. Ah ouais. Je vous pisse dessus. Ah putain, quelle tasse là. Je vous pisse dessus. Hop là, désolé, Fanny, je voulais pas dévoiler mon. Bon. Ah, c'est dégueulasse. Ah voilà, il touche mes cheveux. J'en prends ma. Oui. Ouf. Vu l'économie à l'heure actuelle, les potos, on va pas se mentir. Va falloir aller à la mine un peu. Hein. Pouvoir acheter quoi que ce tu soit, va falloir miner. J'ai 5000 euros de côté, hein. Fin douleur. Moi j'ai, j'ai 3000. 4000 et quelques, ouais, un peu plus. Moi aussi, hein. Ouais, mais. On peut faire tous les paliers de 5. Tous les paliers de 5, il faut qu'on essaye. Hein. Tant qu'on n'a pas trouvé ce putain de valeur, tous les paliers de 5, on essaye de mettre à peu près qu'on a de manière équivalente et puis on essaye de tant qu'on n'a pas ce foutu bordel. Vous lui avez proposé jusqu'à combien jusqu'à maintenant à l'informateur? 10 000. D'accord, faudrait qu'on essaye 15 000 hein, ou alors 20 000. Ouais c'est ça, 15 000 après on fait 20 000, mais ça va aller vite si on est autant. Ouais, attends, ouais, moi, y aller, hein. J'ai 5 000. T'as combien Mladen? Moi j'ai 4200, on va dire. Qui a 9000, t'as combien Fanny? 3000, tu m'as dit? 3000, ouais. 12000, 4000, ok. Ça marche, 16000. Et toi, Nabil? Moi, j'ai. Lui, il a que dalle, lui. Moi, j'ai 400. Ah. Il doit avoir 500. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. du coup, on a 16. Je pense qu'on fait un run chacun, tous ensemble. Ou on essaye. Moi, je vais plutôt. Je vais plutôt vous passer mes 3000 et puis je vais aller prendre le train et rentrer. J'ai 400, frère. Du coup, c'est quoi le plan? Est-ce qu'on va continuer de vendre notre matos ou... Alors,
Bah écoute, C'est le mieux, je Marcel, pense. on réessaye d'abord. On refait un tour, on essaye de choper 20 000, comme ça on est tranquille. Tu veux les paliers de Ouais. 10 000 ou 5 000? 10 000, je pense. 10 000, c'est bien, d'accord, on fait 5 000 et si ça passe pas, on fait 30 000. Et si on est Petite autant question, comme est-ce qu'il y ça? en a ici qui ont des diamants traités? J'en ai trois. Attends. On va les passer à quelqu'un qui va aller directement J'en ai chercher un, l'argent, moi. ça ira plus vite. Mais Ça j'en va ai pas deux durer. noms Il y en a traités. qui font les Je veux trajets bien tout aller le le faire temps, pour ouais. vous, vu que j'ai pas encore été obligé, ça me permettra de voir un peu où il se trouve et tout. Vas-y. D'accord. Je m'éloigne un peu, tu me passes. Il y en a un qui Chacun son tour. m'accompagne à la banque? Viens là. Attends, Attends, ouais, deux secondes, on va grouper. Hein. Faut que je leur Viens là, dise un Nobile. truc encore là. Nobile, Parce viens. que c'est Je suis bien là, je suis beau là. d'avoir la mettre, mais comme je vous ai dit, J'ai là, le aussi trois diamants traitement, il non a pas traités. changé, du coup, les flics l'ont. Hein. Ah, y'a quelqu'un d'autre qui a des diamants ou je vais déjà les traiter là? Non, non, nous on a que dalle. Tu m'as bien dit Alors. 238, 10-10. Bah attends, Ouais, je vais te avec mettre. Je vais te mettre. Le Je petit truc du vais te 6, passer là, la tu vois, du voiture. 6, là. Ah, mais je t'ai ah bah. Let's go. Je vais te passer la voiture, je vais te mettre. Je vais te montrer sur le GPS au cas où. Ça roule, ça roule. Ah, on l'a pas sur Allez. la marche, bijoutier. Putain, le gang des smarts, un Bon bonheur. boulot. Vas-y, monte, je te mets juste le petit itinéraire. Oula. Ah, il faut pas qu'ils soient tenus pour aller vendre. Il me semble que si, hein. Ah oui, Ouais, bah je vais oui, aller chercher la tenue et bah écoute, le. bah écoute, on y va. Vas-y, vas-y. De Au toute pire, façon, moi je dois tu aller prends pas le tailler camion, les tu 5 prends le diamants bruts taxi. que j'ai. Je dois aller les tailler. Ah bah écoute, alors on va prendre le camion, on va y aller ensemble. On commence, on prend les devants. Et comme Vas-y. ça, après tu. Bah oui, comme ça on Ah, on va va devoir avancer en vite prendre pour deux les des camions, 20 000 par là. contre. Pour les 20 000 et. Ouais, je suis d'accord. Du coup, on vise quoi comme. Oula. On vise quoi comme trafic? Je pense qu'on va viser le trafic d'organes. Parce Oula. que C'est quoi? T'as c'est un des entendu? circuits que les. Que... Ouais, c'est la rue là-bas, là, souvent, c'est. Je l'appelle rue de Sarcelles. Hein. Faut pas rester dans le coin. Qu'est-ce qui se Je pense passe? que si on griffe, il n'y a pas de problème pour le coup. Ah ouais, y a une ambulance et tout là-bas. Tu vois, c'est derrière là. Ouais. Il y a Ouais, je vois. les bus, ils explosent, tout ça. Oui, Oui, donc putain. on va se concentrer, je pense, que sur les organes. Parce qu'en fait, on hésitait entre deux points. Mais le problème, c'est qu'il y en a, on a presque la persuasion que les polices ont déjà un bout du circuit, tu vois. Ouais. Donc s'ils ont un bout du circuit, c'est la merde. On pourra pas être tranquille si on se prend des amendes à tout va, on n'y arrivera jamais. Je suis Mais du d'accord. coup, en espérant qu'Organe, on n'a plus qu'à prier pour que ce soit rentable. Hein. Oh, vous avez pas encore testé, du coup c'est ça. Ah ok, d'accord. Donc du coup on Bah met c'est toute notre ça, bien sûr. thune Donc en là, on va mettre sécurité. 20 000. On va essayer de mettre 20 000. Si ça marche pas, bon, on va continuer d'avoir. On essaye de rentabiliser un maximum, sachant que Organe, on connaît un peu le principe, tu vois. C'est on prend les corps, on les Ça met a l'air tous, et chaud il n'y quand a même. qu'un seul qui s'occupe de les transférer tous Ah, les vous avez organes. beaucoup Et si changé on est depuis que je 5 ou vous ai 6. connu, hein. Autant ça trafiquait des drogues dures, je disais rien, mais là. Oh bon, C'est bah chaud. on n'a plus le temps, malheureusement. Le pays, tu sais, c'est pays dur. Hein. Du coup, vous découpez entre Je vous pensais que pour ça faire de serait plus l'argent. facile que Croatie, mais. Et du coup, après, on s'occupe de ça et on repartage le reste à la fin, quoi. En espérant que ce soit rentable, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Hein. Écoute, moi, je vous juge pas. Tous les moyens sont bons pour faire de l'argent, mais là, c'est quand même un peu Bah, chaud, bien quoi. sûr. T'aimes pas trop ça, Organe? Ah, ces personnes, ils sont morts déjà, on fait rien de mal, hein. Ouais, mais vous faites quoi Ah, avec tu leurs sais. organes? Je comprends pas. Organe? Bon, on sait pas, on envoie dans le pays des Balkans, dans le pays de l'Est, eux ils s'occupent, ils remballent et ils redonnent pour Et toi, riches conserve qui des peuvent payer. vies. Plutôt que ça parte dans le cimetière, après ça sauve des Oui, vies derrière. nous on sauve des vies, on envoie Ah, les chacun organes son pour qu'ils tour. soient donnés à petits Chacun enfants son tour. malades. Chacun son tour. Chacun son tour. On sent les mauvaises expériences passées, tu vois. Chacun son tour. Matin, Moudé, matin. Il appelle modem. J'avais même pas capté. Oh god. Ok. Let's go. C'est des cadets, je vois leur gilet jaune dans mon rétroviseur. Ils vont où? Ils vont au traitement, tranquille. Ah, j'ai eu peur. Ils m'ont fait stresser. Joss! Bienvenue à toi, l'ami. Merci pour le sub. Yeah. Oh putain, c'était presque flawless, mais bon, c'est pas grave. Y'a quoi comme métier? Éboueur, nettoyeur de piscine. Ah, d'ailleurs, je.
Oups, ils m'ont peut-être vu. Monsieur, vous êtes sur une propriété privée, c'est un chantier. Bonjour, vous n'êtes pas habilité à venir ici, privée, vous n'avez pas le chaussure. Est-ce que vous avez le matériel? Vous n'avez pas le chaussure de sécurité. Laissez-nous faire notre travail. Non, y a pas non de monsieur, travail. Vous n'avez rien à faire ici, vous bougez, vous êtes monsieur, sur une propriété privée. Monsieur, il y a marqué quoi sur mon gilet? Il y a marqué quoi, vous êtes sur une propriété privée. Non, mais monsieur, la Monsieur, je vais vous demander de me suivre, arrêtez de m'ignorer s'il vous plaît. Ah, c'est à moi que vous parlez, ok. Oui. En tant que représentant syndical, monsieur... je suis obligé de le suivre. Désolé, vous êtes sur une propriété privée. Non, déjà, non, je m'appelle pas le blond, syndical. Ok. Donc évitez les manquer de manquer de respect comme ça. Désolé, c'est le seul moyen. Alors, vous m'appelez cadet, moi j'ai pas le droit de vous. Bah, vous êtes cadet, monsieur, c'est quoi cette arrivée là à travers là-haut? Conduite dangereuse un petit peu, non? Non, je pense que c'est assez sécuritaire. On a installé une bonne suspension dans le camion et c'est le trajet habituel. Oui, c'est un monster truck, vous allez me dire. Vous avez vu vos collègues par où ils passent? Par la route. Ça, c'est pas la route, ça, c'est hors piste. Bah, disons que c'est pas vraiment une route, monsieur. Hein. C'est juste un sentier délimité par nos pneus. Hein. Il n'y a pas vraiment de route. Le gouvernement ne veut pas nous mettre en place un vrai chemin. Du coup, on en invente un. Là-dessus, vous marquez un point. Merci. Moi, je vais rien dire pour cette fois. Pas de problème, parce que cadet. Vos collègues sont un peu plus chiants que vous. Bonne journée, cadet. Ne m'appelez pas cadet, s'il vous plaît. Ah, ok, vous êtes pas lieutenant. Pas de problème, cadet. Non, je suis cadet, mais vous m'appelez monsieur. D'accord, monsieur cadet. Monsieur le cadet, d'accord. Monsieur le cadet, ça va. Très bien. On est en bonne forme, en bonne et due forme, il n'y a pas de problème. Côté. Voilà, monsieur. Carrément. Allez, écartez-vous, s'il vous plaît. Vas-y, fouille. Écartez-vous, écartez-vous là. En tant que représentant syndical de la société. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur, pour être président de la République, je m'en bats les couilles. Ouais. C'est une opération Écoutez, de police monsieur, là. Vous êtes en opération de police, mais vous êtes sur un terrain. Où il y a besoin d'avoir matériel. Nico, menote-le, mais lui, monsieur, agent là, on va les calmer les mecs là. Ils veulent jouer les malins, on va jouer les malins. Ça, c'est un vrai cadet, frère. Bon, par contre, Nico, t'es gentil, c'est pas moi qu'il faut menoter. Ça c'est un vrai cadet tu vois. Il se laisse pas victimiser, là on est d'accord. Parce que si merde l'autre il était là en mode ah vous marquez un point. Eh moi quand c'est moi je te promets il y en a. Ok il déconne avec moi. Vous vous rappelez du cadet Bibil? Oh désolé monsieur. J'étais muté. Il y a un problème avec le monotage. C'est normal je suis employé syndical donc Monsieur vous êtes employé syndical, nous on est policiers, on fait notre travail. Attendez. Ouais, regardez, vous êtes policier, vous faites votre travail, mais j'ai un problème avec les menottes. Hein. Oh, ça me casse les couilles, ces menottes là. Eh, Mladen, viens, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon travail. Je suis officier de police, je fais mon travail, laisse-nous faire. Non, monsieur, vous êtes sur une. Voilà, je vous dis, messieurs, si vous voulez pousser. Mladen. Vous allez entraver notre travail, vous allez manger, messieurs. Viens, je te parle, Mladen, viens, je te parle. Tenez-vous tranquille et tout ira bien. On n'est pas là pour vous emmerder, messieurs. Oh, j'ai un bébé chat qui a mes pieds. Bon, tu veux pas on les c'est calme là ce fils de pute. Eh, vous voulez pas on les calme là? C'est le grosse merde. C'est cette grosse merde. Eh, il s'est même pas menotté, il s'est menotté lui-même. Vous voulez pas qu'on les calme là? Ouais, je vois, il fait comme ça. Ah, il s'est menotté, viens, attends, je le vois, il se menotte lui-même. Regardez-le là. Non, mais les mecs, réfléchissez, on peut pas lâcher nos potes, ils sont menottés. Ils vont être menottés à vie après. Ah ouais, merde. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais on invente des bobards, on appelle les ambulances, on leur dit ouais, il y a eu un accident, ils étaient menottés, il y a eu une. On invente des trucs, les gars. Attends. Je connais pas le mec à gauche. Ouais, le mec à gauche, il a un flingue dans les mains, je ferai pas le show avec lui, mais dès qu'il met son flingue dans les poches, on le déglingue. Le chauve, je veux sa gueule. Lui, je te jure, il me commence à me taper sur le système. Eh, lui là avec sa matraque là, il fait trop le show. Non, matraque encore ça va, mais l'autre là, monsieur propre. Regardez le bébé chat. Allô. Voir sa gueule à lui. Attends, je vais pécho une roche, je vais lui éclater la. Ah, ils sont chauds là-bas. Ça dit quoi les gars? Vous en pensez quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais pourquoi? Mais je comprends rien là. Pourquoi ils l'ont arrêté gros? C'est parce que on était en train de leur dire qu'ils avaient pas la tenue adéquate pour travailler ici. Hein. Du coup, ils ont dit, vous voulez vous faire outrage à agent, on vous menote et on vous met des amendes. C'est parce quoi là, les gars? Ils m'ont menotté alors qu'ils n'ont rien fait. Bah écoutez, comme vous pouvez voir, le mec il est isolé là. Dire aux policiers qu'ils étaient pas en tenue adéquate. Le mec il est isolé, vous voulez pas y aller là? Il est seul. Mais il faut qu'on aille voir. Attendez, je vais aller embrouiller l'autre policier. Vas-y. Et Marcel, t'es toujours aussi chaud que quand je t'ai connu? Il est où? J'ai entendu la voix de Ledoux. T'as dit quoi? Je vois, il est où? Il est là, regarde, là.
Attends, il est en train de m'embrouiller mon pote là. Ouais bah va régler tes affaires avec ton pote toi justement, nous on va s'occuper de lui. Et ils font trop les fous les flics depuis tout à l'heure là, ils nous harcèlent. C'est un truc de ouf. Bon, on fait un truc là ou pas? Ouais, alors, lui là, un truc, ouais. J'aimerais bien. Mais le truc qui me casse les couilles, c'est qu'ils sont menottés. Et vraiment, c'est la galère, on peut rien faire menottés. Ouais, je suis d'accord. On peut même pas choper les putain, clés. Mais tu vois un simple couteau, tu lui dis démenotte-le, je te nique ta mère. Putain, on a je même pas de couteau. Ouais. Je m'en bats les couilles. Ouais, il nous aurait fallu un truc pour se défendre, ça va pas le faire. Mais oui, on a des patates, il va nous taser, on va rien faire. Ah ouais, un coup de marteau piqueur même. Tu vas voir s'il va faire le mal. Ouais. Ah putain. Lui là, c'est grosse merde. Lui là. Ah, ouais, on bien. Se rappellera, le chauve là, il fait le fou, hein. Il fait grave le fou. Je t'en ai parlé tout à l'heure, tu vois. J'en parlais au hasard en disant, je me disais, peut-être il a changé, peut-être qu'il est devenu sérieux. Non, rien à foutre. Ah ouais, boule de cristal, ta grand-mère. Boule de cristal, il a dit. Ah bah ça y est, tous, ils sont tous menottés, regarde. Ah bah voilà, regarde, je vais aller parler, je vais me faire menotter. Non, viens, on n'a pas le temps pour ces conneries. On va continuer de miner. Tu penses que je peux l'assommer avec le téléphone? Non, je pense pas qu'il puisse faire grand chose, tu peux l'assommer avec tes poings, mais le problème c'est qu'après, vas-y pour démenotter le poteau. Juste un peu étrange. Ambulance, policier, machiniste, ce que vous voulez. Les ambulanciers, monsieur, désolé. Ils font leur travail tout comme nous, monsieur, ils sont pas là pour vous embêter. Non, je suis désolé. L'ambulancier qui vient tout à l'heure avec son hélicoptère qui se positionne en disant « Ça va, monsieur, vous avez besoin de rien ?» Qui s'en va ? Non, je suis désolé, le monsieur... Ah bah là, s'ils ont pas de raison, vous pouvez porter plainte envers les ambulanciers, vous dites. D'accord, vous pouvez dire qu'ils dérangent dans votre travail. Eh ben moi, monsieur, et nous, on vient, c'est pas pour cueillir des fleurs, monsieur. Eh ben oui, mais moi, je pensais que c'était chargé, parce que tout à l'heure, il y avait deux policiers qui étaient là avec une voiture. Qui était juste en face et qui restait là. Ouais, enfin monsieur, à peine on arrive, on n'a pas le temps de descendre du véhicule que vous gueulez déjà. Laissez-nous au moins le temps de vous expliquer. Ah oui, attendez, pendant une demi-heure, vous restez, une police est restée là-bas. Pendant si à chaque fois vous êtes réticent comme ça, c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps, monsieur. Hein. Bah, plus vous entravez, plus ça prendra de temps. Ils étaient de l'autre côté là-bas avec le véhicule. C'est tout. Bon, écoutez, monsieur, moi je vais vous démenoter. Est-ce que je vous conseillerai pour la prochaine fois? Dans la merde, je crois que j'ai fait une connerie les gars, je fais quoi maintenant? Eh, j'ai pas pensé à ça, putain, j'ai pas réfléchi à un plan. Eh merde, j'aurais dû réfléchir à un plan. Oh merde, je me suis dit bon, il me voit pas monter dans le véhicule, c'est cool. Merde, maintenant faut que je pense à un plan. Oh mon dieu, merde, c'est quoi le plan maintenant? Fuck. C'est quoi le plan maintenant? Merde. Fuck. Bon, le plan c'est que... Je vais la jeter, mais attendez, j'ai une meilleure idée. Ils font chier mes potes, tu vois. Peut-être que pour me faire intégrer au groupe, je devrais faire un truc et me faire remarquer. Pourquoi j'y vais pas au commissariat et je la rends... Enfin, ouais, je peux pas l'exploser ou quoi au commissariat. Y a pas un endroit genre où je peux la laisser la voiture en mode complètement déglingué. Oh, je sais ce que je vais faire. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter genre un truc, hein, une batte. Ah, je sais ce que je fais. Oh, j'ai une idée. Ok, regardez, pour me faire respecter, tu vois. Pour que ça parle de WAM. Maintenant, je vous propose le plan, mais chat, vous devez m'aider. Hein. Regardez ce que je propose. Ce que je propose, ok, c'est qu'on aille en ville déjà avec cette voiture, comme si de rien n'était. Ensuite, je vais déglinguer la voiture. Je vais la déglinguer avec un camion ou quoi. Avec un camion de mineur. Et après, je la balance, je la jette à côté du commissariat en scred et je me casse. Tu vois, juste pour leur envoyer un message aux flics. Genre, je la défonce la voiture. Qu'est-ce que vous dites? Je vais faire le tour par l'ouest. Moi, je dis, je vais faire ça. Je vous avoue que je savais pas trop où est-ce que je m'en allais avec ce plan parce que j'ai vu l'opportunité. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai regardé autour. J'ai vu que tous les flics regardaient à l'opposé de là où j'étais.
Je me suis dit, personne va pouvoir voir à quoi je ressemble. Mais à la fin, quand je suis passé devant eux, il y avait deux autres flics qui étaient arrivés. Et du coup, en fait, les deux flics qui arrivaient en plus, j'ai peur qu'eux m'aient vu. Parce que honnêtement, j'étais face à face avec eux. Hein. C'est sûr, ils ont pu me voir. Donc ça va partir sur une nouvelle coupe de cheveux, je vous le dis tout de suite. Et il faut déglinguer la voiture. Ouais, ouais. Man. Plan foireux. Non, non, frère, laisse-moi tranquille. Si ça marche, ça va être un bonheur. Oh là là. Bon, maintenant, faut passer à la deuxième partie du plan. C'est-à-dire déglinguer la caisse. On va la mettre ici, tranquille. Je vais la déglinguer. Oh putain, ça c'est parfait pour... Eh, vous voulez que je fasse criminel? Moi, je vais faire criminel, y a pas de souci. Vous voulez que je me fasse remarquer? Je vais le... Mais honnêtement, s'ils sont pas cons, les flics, ils vont faire le même trajet que je viens de faire, hein, sans streamstalk. Je me mets à la peau des flics, je me dis si moi j'étais flic... C'est ce que j'aurais fait. Mais moi, je réfléchis trop comme un flic parce que j'ai été flic assez longtemps. Je sais pas. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas beaucoup de temps parce qu'ils doivent être sur ma trace là. Ils doivent être sur ma trace là. Sur mes traces plutôt. Ah ouais, j'avoue, imagine, elle dépop la voiture. C'est con. Vous pensez que ça envoie un bon message là ou pas? Vous pensez que ça envoie un bon message aux flics là ou pas? Oh putain. Oh putain. Le criminel psychopathe. Oh mon dieu, je suis dans la merde. Oh mon dieu, je suis dans la merde. Ok. Je suis en train de respecter le code de la route, s'il te plaît. Une petite photo, tu vois, pour les potes. Voilà. Nickel. Ça marche, y'a personne. Y'a personne, tranquille, 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 no stress. No stress, ça se passe. Pas de soucis. Ça se passe, la voiture elle est en place. Parfait. Alright. Ok, ça c'est fait. J'ai la photo, je sais ce que je vais faire. Là j'ai plus rien pour m'inculper. Ah si putain c'est vrai. Ils savent à quoi je ressemble. En plus j'étais mineur. Fuck 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 fuck. La coiffure et le skin. Faut que j'arrive jusqu'au pôle emploi. Voilà. Let's go. Avec style. Hot shave. Je veux un bon clean hot shave. Alors la coiffure. On y va avec ça. Bah écoutez, parfait. Hein. Validé. C'est bon. Oh putain. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre d'être chauve comme ça, mais c'est radicalement différent en fait. Il me fallait le truc le plus différent possible. Du coup, c'est cool comme ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok. Let's go. C'est radicalement différent. Et ta voix, ils vont la reconnaître. Oh, mais sauf que... Je sais pas à quel point ils m'ont identifié en fait, parce que les flics qui m'ont parlé, c'est pas les flics qui m'ont... Enfin, ouais, c'est pas les flics qui m'ont vu. Il y avait deux flics en plus. Honnêtement,
Je vois pas comment les flics vont me reconnaître. Ils pourraient, tu vois, mais bon, je sais pas. Je sais pas comment ils vont me reconnaître. Le stress. Horrible. Non, ça va. Ça va tranquille, c'est juste une coupe. On peut en changer, hein. On peut en changer n'importe quand. Putain, j'ai eu peur. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un flic juste en face. J'ai vu le gilet orange. Rip. Ouf. Ah merde, c'était... Ah oui. Je voulais déposer mon véhicule, en fait. À quelques rues du Comico. Ouf. Putain. Est-ce que j'ai encore mes diamants ou pas? Ouais, j'ai 9 diamants taillés et 5 diamants non taillés, c'est propre ça. On va pouvoir partir pour un autre run de minage. J'ai quand même pas mal d'argent, on s'en rend pas compte parce que j'ai que le cash que j'ai sur moi actuellement. Enfin, il y a que le cash qui est affiché. Mais ça fait quand même pas mal d'argent. Ouais. On va voir si la voiture est encore là déjà. Opération réussie. Ah. Ouais, je sais, mais non, pas de mulette, ça y est. La mulette, c'est derrière moi, ça, c'était la police et tout, c'est fini. C'est fini, on veut faire de la merde maintenant. On va faire de la merde jusqu'au bout. En vrai, on va faire de la merde, mais intelligemment, dans le sens où... on fera pas de la merde si c'est pas nécessaire. Dit le mec après avoir dit le mec qui a écrasé la voiture. Ouh, on dirait qu'ils l'ont retrouvé. Ouais, quelqu'un est parti la réparer, ils viennent de revenir avec, regardez. Ils l'ont réparé. Ça c'est cool, ça veut dire les flics l'ont vu. Macha, bonjour. Ouais, salam Pouya. La baisse. Comment ça va? Alhamdoulilah, tranquille. Ça va, ça fait quoi? Vous êtes nouveau dans la ville, monsieur? Ouais, Hadawin, comment on dit déjà? Je viens d'arriver là. Ah, d'accord, ça ne colle. Vous venez d'arriver dans la rivatitude, là, du coup, ça va parfait. Enchanté, ici la Kadia Karti, pour vous servir. Ouais, enchanté. J'avais l'air fatigué là, non? Vous venez de faire un marathon de marathonnaise là? Ah bah écoute, pas de caisse et tout, on marche à pied et tout, tu sais comment c'est, hein, c'est fatigant. Ouais, j'avoue, c'est la fatigueuse à fatiguer, tu fais un peu de muscu, j'avoue, avec ta biceps là. Ouais, je faisais des biceps, je fais des pompes et tout, t'inquiète. Tu fais des pompes? Tu fais quelles heures de pompes? Parce que moi j'ai fait la pompe gig. Est-ce que tu connais la pompe gig? La pompe gig? Exactement, la pompe gig, elle est très réputée de cette ville, hein. Tu demandes à n'importe qui, tout le monde connaît la pompe gig, c'est moi qui l'ai rendu célèbre. Attends, on va demander à ton collègue, c'est quoi ces histoires là? C'est quoi ces flics? Je te montrerai si tu veux aller. Eh Khouya, te signaler à nos supérieurs. Hein. Esma Khouya, c'est quoi l'histoire? T'as ton frère là, il parle de. Gelle qui fait des pompes gig, c'est quoi ça les pompes gig? Vous connaissez la pompes gig? Ouais. Le mec artiste a fini de faire le clown, putain, là, l'image de la police. Vraiment les pires flics au monde, je vous le dis. Vous êtes des policiers les pires, je vous le dis. Eh hey Curtis, je sais pas si tu la vois celle-là, mais un jour tu vas la manger. T'as le droit d'essayer. Enfin, t'as l'uniforme, Curtis, ressaisis-toi un peu. Mais je m'en rassaisis. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est la pompe avec la gueule. Tu te rends de l'image que tu vas nous donner après là? C'est la technique de musculation. Et après, on s'étonne que les citoyens ne prennent pas au sérieux. Oui, ah, moi je suis désolé, mais j'ai pas envie d'avoir la petite braqueta. Hein. Ah bon, j'ai des petits bras. T'es bête ou quoi, Curtis? Quand tu fais les pompes sans les mains, tu ne risques pas tes bras. Hein. Ah, ça part la pincée. Il arrive quand le commissaire, le vrai policier? Ah, mais je sais pas, il est dans les bouchons. Le vrai policier, voyons Danton, montrez-vous un petit peu respectueux envers nous. Oui, bah oui, bah vu ce qui vient de se passer aujourd'hui, oui, bien sûr. Vous savez que je vous aime bien, Danton. Ouais, Danton, suivez-moi, je vais vous parler ça. Oui, bien sûr, vous avez cru que j'étais homosexuel? En tout cas, vous d'honneur, vous parlez. Bon, d'accord. Tout va bien, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un très beau petit cul, Danton. Ouais, désolé. Bonjour, monsieur. Oh, monsieur Danton. Arrêtez, venez, arrêtez. Bouge plus, respecter, mais il coopère, pourquoi tu le tases? Pourquoi je le tase? Oh, quand même. Mais j'avais les mains en l'air. Il a les mains en l'air. On dirait un flic. C'est incroyable. Allez, je laisse mon collègue m'en occuper parce que j'ai des antécédents avec mon compte. Laissez votre collègue m'en occuper, y'a pas de problème. Dégénère. Je vous ai jamais vu ici, monsieur. Vous êtes qui? Non, ouais, je passais par là et tout, je viens d'arriver en ville et Rook là, il m'a dit fait son sgeg, je sais pas quoi et tout. Ouais. Mais je vous entends là, vous avez l'air stressé, il s'est passé des trucs. Vous avez déjà vu une prison de près, monsieur?
Ah, la prison, c'est ma deuxième habitation. Tu vois, quand j'ai pas de quoi payer les factures et tout. Ah bah, hop, surtout si vous continuez à traîner avec des personnes comme ça. Avec, mais... C'est un flic. Wesh, même les flics, maintenant, ils sont devenus mauvais. Non, mais je parle pas du flic ici. Je parle de Danton, là-bas. Je connais absolument, je l'ai jamais vu de ma vie. Ah. Non, moi, je passais par là. C'est pas quelqu'un très recommandable. Ah, bon, bah, les couilles de sa vie, moi, je dis ça pour vous, monsieur. Non, mais tranquille. Après, vous faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Ouais, y'a pas de soucis. Mais vous avez l'air un peu stressé, là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, moi, quand on me dit que j'ai un collègue qui veut montrer des pompes gags à un civil... Et moi, quand on me dit que c'est des collègues qui insultent à tout le monde, qui insulte tout le monde, qui dit « Ah oh, tiens, t'as un beau petit cul, toi. Ah, c'est très professionnel. Reprends-toi, Francis, t'as l'uniforme. » Ah, c'est une insulte de dire « Ah, oh, je le taquinais, Danton, lui et moi, c'est une grande histoire d'amour. » Bah, moi, j'attaque il monsieur, a pas mal pris. Taquiner, non il a pas je mal pris. Je taquiner, alors. Bah, je pense pas que monsieur l'a mal pris non plus. Curtis, tu fais ce que tu veux en dehors des heures de service, mais quand t'es en uniforme, c'est pas de montrer ton gag au civil, quand même. Eh bah toi, essaye pas de draguer en disant qu'il est d'un beau petit cul alors. Mais c'est très bien que je le draguais pas, il sait très bien que c'était pour le taquiner un peu. Ah, on n'aura pas dit, on n'aura pas dit. Il sait très bien que j'ai le taquiner, Danton. Bon bah messieurs, moi je vous laisse. Ouais, hein. Tranquille, je voulais juste prendre des nouvelles, voir la police. Ah d'accord, disposer, au revoir, monsieur. On va régler nos soucis entre nous. Ouais, pas de soucis. Bonjour mademoiselle. Salut. Ça c'est le Québec de ouf. Ça c'est Madame Zoom, je l'ai crié à 10 000 km le salut. De Montréal, on est là. Eh, vos collègues, ils ont pas l'air de trop vous aimer. Hein. Non, si, franchement, mais c'est que ce qu'il y a, c'est que la personne, la chauffe que vous avez vu là-bas, pas moi mais l'autre, disant qu'il était lieutenant et en fait, il est un petit peu, voilà, à part une personne qui l'aime bien, beaucoup de personnes le détestent dans cette ville, il y en a beaucoup qui vous laissent à mort, putain. Parce que voilà, en fait, il se prend un petit peu les gens de haut, il insulte tout le monde. Apparemment, tout à l'heure, il est encore arrivé, il a dit, ouais, fermez vos gueules, ici, c'est moi la police, c'est moi qui parle, enfin, voilà, quoi. Moi, j'essaie d'être quand même clément, j'essaie d'être indulgent, je suis pas quelqu'un de machin, je suis pas un policier machin, mais voilà, faut pas me chercher non plus, quoi. Non, pas de problème. Moi, je suis plutôt dans le relationnel, dans le relationnisme. Non, mais je comprends pas, là, il parlait de voiture, cassée, je sais pas quoi, il s'est passé quoi, je comprends pas. Ouais, t'as pas compris non plus, lui. Ah, ok. Pour vous avouer, c'est pareil, sur la radio, ça parle, vous voyez, c'est toujours « Ah, Iglesias, ah, Francis, ah, Iglesias », vous savez, c'est comme Q et Smith, vous voyez, comme Claquette et Chaussette, vous voyez. Ouais, mais un peu plus gay, voilà, c'est ça. Ça parle qu'entre eux deux, quoi. De quoi? J'ai dit un peu plus gay, c'est ça. Ouais, voilà, enfin, je sais pas comment ça se passe ici, c'est bizarre, mais bon, vous voyez. Ça roule, pas de soucis. Merci, monsieur l'agent. Ah, vous pouvez m'appeler monsieur Curtis, hein, écoutez, pas de soucis, hein. Pas de soucis, Curtis, tranquille, la famille. Je vais pas faire le forceur, hein. Je vais pas forcer pour savoir ce qui s'est passé avec la caisse, mais je vais aller retrouver les potes. Je vais pas forcer, hein. Mais je sais qu'ils ont vu la voiture, je sais qu'ils ont vu la caisse, j'ai vu qu'ils l'ont déplacée, ils sont partis la réparer et tout. Je me demande ce qui s'est passé avec les potes, je vais leur parler après. Faut que... Oh. Hein? Comment ça, hein? Bon. Fais pas genre tu m'as pas reconnu. Ben oui, je t'ai reconnu. Et c'est toi qui avais la voiture de flic? Ouais. C'est moi qui avais la voiture de flic. Il s'est passé quoi en fait? Tu sais, il y a un des policiers qui m'a dit ouais, donne le nom et tout. Et genre, et tu sais ce que j'ai fait? J'ai donné un autre nom et il m'a donné 1000$. Tu lui as dit c'était qui? Je lui ai dit que c'était Canu. Oh non! C'est un mec qui m'a. Il m'avait fait chier. Ah, et c'est qui ce que met encore? Putain, il y a masse de monde que je connais pas. Putain, ils sont en vélo les... Ouais. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est plus que c'était les KD, hein. Ouais. Ouais, clairement. Mais non, parce qu'en fait, Canu, il m'a fait un sale crasse. Et on va dire que c'était un répondant et je le laisse tranquille après. Ouais, c'est je vois. Ils nous ont fait chier à la mine, là. Les flics, les KD et tout, ils étaient en train de faire n'importe quoi. Ils nous ont fait chier. J'ai pris leur voiture, je l'ai déglingué, je leur ai rapporté ici. Bah, t'as raison. Bah, ça fait 2 points, c'est bon. Et là, qu'est-ce que tu fais là? T'as arrêté la police? Parce que moi, de mon côté aussi, j'ai arrêté la police. Ah, moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté la police, hein. C'est fini. C'est derrière moi, ces conneries. Ouais. Ah ouais, non, moi, je retourne aux sources. Tu sais, quand tu m'as connu, tu m'avais demandé ce que je faisais et... Je t'avais parlé vaguement, mais... Je m'agouillais pas mal dans l'extasie et toutes ces conneries, du coup... Je pense que c'est ma destinée. Je sais rien faire d'autre. Ouais, je crois qu'à la radio, ils m'ont dit t'es avec les autres, t'as vu les autres ou pas? Ouais, j'ai recroisé tout le monde, on a pu parler, nous ils m'ont accueilli comme il faut et tout, ouais, pas de soucis, là je vais aller vendre les diamants et tout, mais en fait, on était tous pris dans la merde, là, la moitié d'entre eux étaient menottés, du coup pour faire chier les flics, j'ai pris la caisse et je me suis barré, quoi.
Bah ouais, normal. Ouais, clairement. Hein. Attends, je vais leur demander où ils sont. Vas-y. Moi, j'ai pas accès. Je remets la radio. T'es mal cadet avec son VTT là-bas. Ouais, ils sont en train de vendre à la mine. Ah ouais, ok. Bah écoute, moi je vais les rejoindre. J'ai du traitement à faire. Hein. Je vais aller chercher un camion et tout. Faut que j'aille chercher le taf et tout. Je vais faire comme toi. Hein. Ouais, vas-y. Bah, on y va ensemble. C'est combien déjà la caisse? Ouais. Ça, c'est ma voiture. Tu peux conduire si tu veux. Ouais. Bien sûr, c'est ta voiture, hein. Ouais. Ouais. Je sais pas. On va dire une voiture pour une petite demi-heure. C'est une voiture de location. Mais ouais. Combien déjà le camion, tu sais? Le camion, c'est 100 boules. Ok, attends, je vais mettre à la banque d'abord. Ça me fait plaisir, on va faire les binômes comme avant. Bah oui, c'est ça que je leur disais, hein. Il manque Chang et on fait le trio d'attaque. Ouais. Mais ouais, y a que des amateurs là. J'ai dit, les cadets, c'est plus ce que c'était. Hein. Moi, quand j'étais cadet, on parlait pas comme ça. Gilet ou pas gilet. Ouais, clairement. Attends, mais tu sais pas ce qui nous est arrivé, nous, hein. Genre, non. J'étais avec un pote. Et genre, à côté de l'hôpital, et genre, c'est une sorte d'attentat. Il y a 4 flics qui se battent contre des citoyens. Genre, il y a trop de personnes avec des balles et tout. Des pistolets, genre, on a eu trop le peur. Le bordel, quoi. Et on était juste à côté d'une. Ouais, le bordel. Pour l'instant, on n'a pas de flingue ni rien. On n'aurait pas pu aider. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend. Il y a une voiture de flic qui était ouverte. On la prend pour s'échapper parce qu'on avait trop peur. On s'était pris des balles et tout. Et donc, on la ramène directement au commissariat. On l'appelle. Et on leur dit, on leur explique. Et ils nous disent, oui. Vous avez volé ce véhicule, c'est pas bien, et il nous a fait un amende, on est allé à la cage et tout, enfin voilà quoi. Ouais. Genre tout le monde aurait fait la même chose quoi, on n'aurait pas resté ici à se prendre des balles quoi. Ouais, non, je sais. Incroyable. Ouais, je sais, non, moi... ils vont perdre des balles là. Tout à l'heure là, ils arrêtaient pas de faire des allers-retours à la mine, on leur disait qu'ils avaient pas les protections nécessaires et qu'ils venaient quand même juste pour faire chier. Et pendant qu'ils faisaient chier les potes là, je leur ai juste dit « Salut !» Tranquille, je leur ai juste dit Enfin, je leur ai rien dit en fait, j'ai juste pris la caisse et je me suis barré pendant que personne regardait là. Parce qu'ils avaient menotté la moitié des mineurs. Ils me l'ont dit. Et je leur ai dit que c'est bon, t'étais avec moi quoi. Comment ça que j'étais avec toi? Ah, les potes, oui, d'accord. Ouais. Oui. Je pensais les flics. Non, bah, bien sûr que non, les flics, moi, c'est fini moi. Mais après, en tant que flic, il y a un bon flic, c'est Nado. Il est bon lui. C'est qui lui? C'est le commissaire, c'est le patron quoi. Ah ouais, c'est un bon? Il était à la police de l'autre ville. Il était sergent chef avec moi aussi. Il était pas mauvais du tout et là ça se voit, hein, il est au-dessus de tout le monde au hein, niveau flic. Hein. Ah, je l'avais intelligent, je l'ai jamais connu. Ouais. Non, franchement, je l'ai jamais vu. Parti à ce moment-là quand il arrivait. Bien hâte alors. Hein. Tu sais comment je sais apprécier un bon flic, mais là. Ouais, non, mais là, ouais. Ce sont des bons flics. Putain, j'ai oublié de prendre le taf moi, je sais pas toi. Oh merde, moi aussi. On n'a pas l'air con. Je suis policier. Je suis ambulancier. Les petits lapsus d'antan. Ouais. Lapsus révélateur. Ah, tu nous as manqué quand même en tant que dans cette. Ah, vous m'avez manqué aussi hein. Après je t'avoue que je commençais à me lasser un peu des patrouilles, j'avais je te cache pas que j'avais monté un petit coup et tout, mais j'ai préféré me tenir à carreau et faire profil bas. Là, on dirait bien que c'est la bonne opportunité. Moi, j'étais sur des coups. Hein. Moi j'étais sur des coups où je récoltais et je mettais tout dans un coffre. Ça faisait chier tout le monde en fait. Ouais. Je vidais les coffres en fait. Ouais, ok, ouais, je vois.